Ouais, c'est sûr, euh, ça c'est peut-être le meilleur jour de ma vie. Du coup, faire euh, mes débuts, surtout à Brutus, c'est incroyable. Quand on est monté là pour s'entraîner avec euh, ceux de l'UTC, de la réserve, ah, ils nous avaient dit qu'on va juste venir pour s'entraîner, il n'y a personne qui va jouer, que c'est une préparation avant la saison, une intersaison. Et euh, là, pas avec la chance, mais avec euh, des blessures, euh, tu as des opportunités. Et... Et j'ai eu ma chance. Et j'espère que ça arrivera pour plein d'autres aussi. Ouais, ouais, c'est sûr. Euh, de, vivre, euh, de vivre sur une. Euh, toutes les émotions comme ça. Euh, ouais, c'est sûr que ça, ça part de, du bonheur. Tout le monde est heureux. Et après, à la fin, tout le monde se serre les dents. Et après, euh, ouais, bah, c'est presque en pleurant. Moi, je sais que j'étais presque au bout de ma vie, là, à la fin. Mais après, tant pis. Écoute, ça arrive des choses comme ça. Il y en a toujours chaque, la semaine prochaine. Alors, euh, ouais, ça, c'est. Euh, ben, c'était toujours mon rêve depuis, euh, depuis que je suis arrivé ici en France. C'était toujours mon rêve de, euh, de, jouer, de jouer sous le maillot dragon catalan, mais surtout avec mon frère à côté. Euh, je pense que c'était dur à réaliser ça dans les vestiaires, d'être à côté de lui, assis à côté de lui, de parler avec lui et quand il m'a présenté... Euh, mon maillot, euh, là c'était tout que des émotions de le faire devant Abruptus, devant mes parents, devant ma mère et mon petit frère aussi. Et euh, ouais, c'était que de la fierté, mais j'espère que ce n'est pas la dernière, je pourrais faire un travail avec lui avant qu'il se casse en Australie.